du chantier. Un feu insolite pour dans les bêtes.
va avoir six enfants autour de lui. Déjà, il va faire six enfants, hein. C'est du boulot. Hein. Enfin, alors voilà, c'est Michel qui va vous l'interpréter. Oh.
pays du vaudou. Donc c'est la sorcière Ulrika qui s'inspire, qui appelle les profondeurs de la Bible, les malins, les méchants. Voilà. C'est Esther qui va nous l'interpréter. Thank you.
pense qu'à jouir de la vie, des plaisirs. Et elle a rencontré à la soirée un jeune homme qui lui a parlé d'amour. Et elle est presque un peu tentée, disons, elle dit non, c'est pas possible, je ne vais pas me mettre à devenir une femme sérieuse alors que je suis une femme de petite vertu. C'est comme ça qu'on disait, non? Et donc, je ne vais pas céder à l'amour, je vais jouir, jouir, jouir jusqu'au bout de la vie, du champagne, du luxe et tout ça. Donc, c'est le grand air de la Traviata qui va être interprété par Catherine. Thank you.
maintenant nous allons avoir le duo entre Fabiana et le père d'Alfredo. Et le père d'Alfredo, c'est un grand bourgeois et il ne supporte pas que son fils se conduise mal. Et ensuite, il a une fille qui doit se marier, mais les parents du fiancé refusent le mariage si il n'abandonne pas cette femme de mauvaise vie. Donc il vient, il arrive et il méprise un peu cette femme. Il se dit c'est du courtisane. Et il est surpris par la dignité de cette femme parce qu'elle s'est transformée. L'amour l'a complètement transformée. Donc elle n'est plus du tout la femme qu'elle était avant. Et il est surpris, mais il lui demande, il faut absolument qu'elle fasse le sacrifice pour le bonheur de sa fille. Et donc la pauvre Fabia va se sacrifier et nous allons avoir ce merveilleux duo entre Germán et Violetta qui vont être interprétés par Naoko et Michel. Thank you.
Yeah.
Thank you.
certainement la dernière fois qu'elle chante avant. Maintenant, c'est toujours Giacomo Puccini, la bohème, pour dédier Tabouchi. C'est mon mini qui va se séparer de Rodolphe parce qu'elle est malade, il prend d'argent, il fait froid dans la mansarde. Alors elle lui chante donc je suis sortie tellement heureuse, remplie d'amour. Maintenant, je vais retourner par ma mansarde triste à broder des fausses fleurs, etc. Finalement, après, elle lui dit, bon, tu vas prendre mes petites affaires, je vais t'envoyer le concierge, tu vas tout me donner. Elle lui dit, si tu veux, il lui avait offert pendant la fête un joli petit bonnet rose. Elle lui dit, si tu veux, tu gardes mon petit bonnet rose, tu peux le conserver en souvenir de moi, adieu, sans rancœur. C'est là où il interprète.
façon, alors Faust, Charles Bonneau, c'est le grand-père de Marguerite, d'Arcubichoux. Bon, Marguerite a rencontré un beau jeune homme et elle va trouver ce coffret plein de bijoux et donc elle va être toute excitée par tous ces bijoux. C'est Naoko qui l'interprète.